Je m'appelle Ouria Djoudi, je travaille pour le CIFOR en tant que chercheur. La fertilité du sol, et la fertilité du sol au Sahel, c'est l'un des problèmes les plus importants. Donc les arbres, par exemple comme le néré, quand il est dans les champs, il permet de fixer l'azote, donc la fertilité du sol est meilleure. Ensuite, on a vu dans des études que nous avons faites que la présence des arbres protège les cultures en produisant de l'ombre et en améliorant le sol. Donc ça, il y a un équilibre entre les arbres et les produits qui poussent sous les arbres, donc la production céréalière. Il y a les bandes, tu sais. Voilà, pas tant les bretons, là. Il y a les bandes, tu sais. On nous tourne dans la forêt, il y a Kalo. On a mis la raille, il y a un peu de temps. Moi, je m'appelle Alain Touta Traoré et je suis le coordinateur de l'association Tipalga. Tipalga, c'est un nom amoré qui veut dire nouvel arbre. Les PFNL, les produits forestiers non ligneux, contribuent en général pour 30% des besoins des ménages. Donc vous voyez, si les PFNL sont valorisés, on se retrouve avec 30% de dépenses évitées chez les ménages. Parce que s'ils n'ont pas, par exemple, le néré, ils seront obligés d'acheter des cubes magiques. Mais s'ils ont le néré, ils font le soumala, qui est local, et ils n'ont plus besoin de tous ces accessoires-là qui leur font de l'argent. Donc, c'est des dépenses évitées. Toutes ces choses-là leur permettent de se nourrir. Par exemple, si on parle de néré, et depuis les graines, vous avez la poudre jaune qui est très nourrissante et qui évite, par exemple, la malnutrition au niveau des enfants. Donc, si ces poudres-là sont là, ils n'ont pas besoin d'aller acheter des compléments alimentaires qui leur deviennent très chers. Donc, c'est autant d'éléments qui font que l'arbre est vraiment très important.